Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission depuis le 70.8 au Capucin, une émission organisée dans le cadre du One Ocean Summit, le sommet pour les océans. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'observation de l'océan depuis le ciel, puisque comme nous allons le voir autour de cette table ronde, l'espace et l'océan sont intimement liés, autant en termes d'interaction que pour l'observation et les questions spatiales. Nous sommes aujourd'hui à un moment de rupture technologique. Nous connaissions les satellites. Nous allons maintenant découvrir les nanosatellites avec des constellations bien plus nombreuses. Nous le verrons tout à l'heure avec Vincent Carbaol, qui représente une entreprise CLS basée à Brest, spécialisée dans le satellite. Bonjour. À côté de vous, Ronan Fablé, vous êtes professeur à l'IMT Atlantique. Bonjour. Et vous êtes également le représentant ici de la chaire Océanics, qui se penche sur l'intelligence artificielle et le satellite. À vos côtés, Françoise Duprat, bonjour, vous êtes directrice du Technopôle de Brest, Brest-Iroise, et vous représentez ESABIC, qui est un incubateur pour les jeunes entreprises qui se lancent dans le spatial. Et enfin, à vos côtés, Nicolas Bellec. Nicolas Bellec, vous êtes chargé de coordination de Iris Space, qui est un rassemblement d'entreprises spécialisées dans le spatial en Bretagne. Merci beaucoup. Nous allons commencer du coup avec vous, Vincent Carbaol. Vous êtes quatre, c'est tout de suite très perturbant. Vincent Carbaol, vous représentez CLS, une entreprise spécialisée dans le spatial, comme nous le disions. Jusqu'à aujourd'hui, vous observez, vous êtes sur la surveillance des pêches, les pollutions, et vous allez pouvoir nous parler de cette rupture qui va se passer, c'est-à-dire que maintenant, on n'aura plus un seul satellite, enfin un certain nombre de satellites, mais des constellations entières. Qu'est-ce que ça va changer dans l'observation ? Alors, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le New Space dans le domaine du spatial. Donc, le New Space, en quelques mots, c'est... certains parlent du spatial low cost. Moi, je parle plutôt d'une démocratisation de l'accès au spatial qui voit aujourd'hui émerger des constellations de satellites, non plus par nombre de 2 voire 3 satellites, mais on parle de plusieurs dizaines de satellites qui sont lancés. Et ça a été principalement facilité par le fait que depuis ces dernières années, les nanosats en fait représentent des coûts de fabrication beaucoup plus réduits au niveau des satellites, et puis aussi en termes d'exploitation. L'envoi de ces satellites dans l'espace à l'aide aujourd'hui de plusieurs systèmes de lancement représente également des coûts d'investissement beaucoup plus bas. Un nano-satellite, ça fait quelle taille ? Parce que nano, on pense à des choses toutes petites. Je pense qu'on est des satellites quand même assez grands. Non, un nano-satellite, c'est, si vous voulez, à peu près la taille d'une boîte à chaussures. Voilà. Et il y en aura dans l'espace par constellation de ces boîtes de chaussures, enfin, satellite taille boîte de chaussures. Oui, c'est ça. Alors évidemment... ça représente, alors c'est souvent des satellites de durée de vie beaucoup plus faible, qui par ailleurs se détruisent aussi plus facilement dans l'espace. Il ne faut pas non plus oublier le problème de la pollution dans l'espace. Mais ça permet en termes d'application, je dirais, une revisite et une quantité d'informations beaucoup plus riche, à la fois spatialement, temporellement, etc. Ce qui pose d'ailleurs en termes de traitement d'autres problèmes. Oui, parce que vous me disiez, on suit aujourd'hui à peu près 20 000 mobiles par satellite, et là on va passer à des millions. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple à l'échelle, si on essaie de voir quelque chose de très concret, on suivait un cétacé, et maintenant ce sera un troupeau de cétacés qu'on pourra suivre. Oui, en termes d'application, effectivement, ça va vraiment se démultiplier. Donc on a historiquement nous un système qui permet de localiser des mobiles et de collecter des informations qui sont envoyées, alors qu'il s'agisse de mobiles qui sont des navires de pêche, qui sont des bouées déployées dans les océans pour mesurer les paramètres physiques de l'océan, qui sont du suivi d'animaux pour faire des études sur la biodiversité. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'applications. Et aujourd'hui, ce New Space va permettre de suivre non pas quelques dizaines de milliers de mobiles, mais des millions de mobiles, notamment grâce, alors pour ce qui nous concerne, à l'envoi d'une constellation qui s'appelle Kineis, qui va avoir 25 satellites sur 5 plans d'orbite, dont les 5 premiers satellites vont être lancés dès l'année prochaine, en 2023, avec un premier vol en avril 2023. Pour suivre un mobile, il faut qu'il soit équipé d'une balise. Exactement. On ne peut pas suivre un banc d'espadons spontanément sans les avoir au préalable bagués ou équipés. Marqués, oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, on pourra suivre beaucoup plus d'espèces. Exactement. Alors, au niveau des applications scientifiques, ça va permettre de suivre beaucoup plus d'animaux. En termes d'applications, ça va ouvrir également des champs d'application beaucoup plus vastes, puisque aujourd'hui, par exemple, sur les problématiques de pêche et de réglementation sur la mise en place de la pêche, on s'est surtout intéressé à la pêche industrielle. Donc, la pêche industrielle sont des bateaux qui font à peu près un peu plus d'une quinzaine de mètres, par exemple, en Europe. Et donc, il y a toute une réglementation qui a
été mises en place pour surveiller où vont ces bateaux, comment ils pêchent, etc., etc. Mais en fait, quand on prend conscience du fait que cette pêche industrielle ne représente que 10% à peine de la flotte de pêche, et aujourd'hui, une grande partie des flottilles de pêche, notamment ce qu'on appelle la pêche artisanale, les bateaux de pêche artisanaux, ne sont pas suivis, ce qui pose effectivement... Et pourtant, je dirais qu'ils adressent et ils collectent dans nos océans à peu près 50% de la ressource. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment tout un champ d'application dans ce domaine. Oui, nous le verrons tout à l'heure, vous nous avez apporté des petites choses à nous montrer. Tout à fait. Qui dit plus d'informations, dit un besoin de traitement d'informations aussi plus important. À votre niveau, Ronan Fablet, vous travaillez sur l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer aux satellites et à ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'on aura des quantités d'informations énormes. Comment est-ce qu'on va faire pour les digérer ? Alors effectivement, qui dit plus de données dit une complexité supplémentaire et aussi des potentiels supplémentaires à extraire des informations. On parlait de la pêche ou du trafic des maritimes, c'est par exemple la capacité à détecter des événements particuliers ou des anomalies de comportement qui pourraient déclencher des actions. Et donc pour bénéficier de ces données, il faut développer des algorithmes. Et je pense que tout le monde a entendu parler des ruptures technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'on voit tous sur nos téléphones. Il y a des exemples sur beaucoup de domaines. Et c'est aussi le cas pour le domaine d'observation satellitaire et qui est un domaine qui, comme ça a été exprimé, est aussi très divers dans les types de données qui sont issues des satellites. On a parlé là, implicitement des données type GPS, de position. Pour les navires, mais il y a aussi des données de type imagerie sur l'océan et d'autres types de données. Et là, l'intelligence artificielle ouvre aussi des potentiels, des opportunités pour exploiter ces différents types d'informations, que ce soit pour mesurer, comme le disait Vincent, des paramètres géophysiques, analyser des comportements, suivre des animaux, comprendre leur comportement. Ou même un changement de couleur à la surface de l'eau pour comprendre qu'il y a du plancton. Enfin, c'est le genre de choses que l'intelligence artificielle va permettre de mieux comprendre et de mieux traiter. Voilà, et sans doute un des enjeux, c'est que alors même si on va développer encore davantage les capacités d'observation avec de nouvelles constellations, on ne sera jamais en capacité, et heureusement, d'observer l'océan partout et tout le temps. Donc ça veut dire que typiquement, par exemple, en mer d'Iroise, en ce moment, probablement qu'il n'y a pas de satellite qui l'observe juste maintenant. Et donc, par contre, on l'observera peut-être dans, disons, une heure, et peut-être qu'on l'a observé il y a quelques heures. Et donc, si on veut fournir l'information à un bateau de pêche sur la situation, par exemple la température ou la couleur, il faut être capable de prédire ce qui se passe maintenant. Et donc ça nécessite des algorithmes. Donc il y a un vrai enjeu à compléter les informations au-delà des mesures fournies par les satellites. Oui. Pour créer des modèles pour créer ce gap temporel entre deux passages, quoi. Même si, voilà, ils sont de plus en plus fréquents, ces passages, du fait de la densification du réseau. Exactement. Et donc là, il y a un vrai enjeu qui est scientifiquement très intéressant, qui est à l'interface entre ce qu'on appelle la modélisation numérique, la modélisation physique, et ces technologies d'intelligence artificielle, qui doivent permettre justement de mieux faire ce lien entre modélisation et capacité d'observation. Ce qui recouvre évidemment toute la question de la recherche et de l'application de la recherche à l'industrie. Nicolas Bellec, pardon, d'IRISpace, vous êtes, vous, un représentant d'une structure qui représente à la fois donc, cette question de recherche et d'industrie, principalement appliquée au spatial, mais quand même avec 20% dédié aux océans, parce que comme on le disait tout à l'heure, ce sont deux environnements qui sont intrinsèquement liés et mariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ? Oui, tout à fait. Donc l'IRISpace, c'est l'Institut régional de l'innovation spatiale qui vise à fédérer les compétences bretonnes, je dirais, qu'elles soient académiques ou industrielles en matière de spatial. Alors, l'écosystème breton du spatial, c'est un écosystème qui est assez peu connu, mais qui est assez important. C'est environ 300 acteurs, avec une forte partie déclinaison d'applications, en effet, liées au domaine maritime. Alors, c'est assez simple, hein, comme le disaient Ronan et aussi Vincent. Un satellite, ça sert à observer, répondre à des besoins qui font appel à l'observation, au positionnement, aux télécommunications et nouvelles connectivités. Et sur les océans, évidemment, sur ce vaste domaine, il n'existe pas de moyens matériels ou humains pour répondre à ce type de besoins. Et donc, naturellement, pour avoir de l'information, pour transmettre de l'information sur les océans, il faut des moyens. Et le satellite est quasiment le seul moyen qui existe pour apporter tout ça. Oui, parce qu'on en parlera tout à l'heure, par exemple, pour la surveillance d'aires marines protégées. On ne peut pas avoir des navires en permanence qui surveillent s'il y a des navires de pêche ou autre. Et du coup, l'espace permet d'avoir quand même un œil en permanence sur ces zones qu'on veut sanctuariser ou au moins protéger. Et ça permet d'avoir une présence, au moins un regard sur lui.
Oui, tout à fait. Vous parliez de l'écosystème breton, il y a aussi l'écosystème local. Françoise Duprat, par rapport au Technopôle brestois, vous avez donc cet incubateur parce que ce secteur prometteur, avec ses nouveaux développements, ses nouveaux outils, que ce soit spatial, intelligence artificielle, il y a des start-up qui se montent, tout un potentiel. Donc vous, à votre échelle, qu'est-ce que vous pouvez voir sur la dynamique du secteur ici local et des entreprises qui naissent? Oui, alors effectivement, comme le disaient mes camarades, on voit que depuis quelques années, il y a un secteur très important qui s'est structuré d'abord au travers des laboratoires de recherche. Et toute cette collecte de données, elle a de la valeur, mais elle n'a de la valeur que si on la décline dans des services qui peuvent être vendus derrière. Et ça, c'est vraiment l'enjeu qu'on a saisi avec les ABIC. Donc, c'est un incubateur qui est labellisé par l'Agence spatiale européenne et qui vise à aider l'émergence de start-up qui vont utiliser ces technologies ou ces données pour les transformer dans des offres de services commercialisables. On voit que le champ des possibles est très important puisque les données spatiales, elles peuvent être utilisées dans des tas de types d'applications. Donc on a sur la Bretagne 8 entreprises qui se sont créées spécifiquement sur l'utilisation de ces data pour des applications dans le secteur maritime. Il y en a également d'autres qui se sont créés sur d'autres typologies d'applications, mais l'enjeu sur le maritime, il est très important parce que cette vision qu'on peut avoir à travers les données spatiales des océans, c'est vraiment quelque chose qu'on avait peu au préalable. Ça nécessitait de déployer vraiment des équipements très importants, contrairement à la Terre où on peut avoir davantage de postes d'observation, je dirais. Donc là, sur le maritime, il y a vraiment un enjeu très important et on voit bien que tout ce qui est développement d'une économie bleue durable nécessite d'avoir une très bonne connaissance des océans et de surveiller aussi ce qui s'y passe. Donc là, il y a vraiment un enjeu économique très important. Parce que justement, pour rentrer dans le cadre de ce One Ocean Summit et de ce qu'on peut faire grâce à l'observation spatiale, vous me parliez de 8 entreprises dans le maritime. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples d'applications? Qu'est-ce qu'on fait quand on parle de surveillance des pêches ou de la navigation? Ça évite aussi des collisions. Enfin, quel est, dans le regard que vous avez au niveau de l'incubateur, les secteurs qui sont vraiment concernés par la protection des océans et le spatial, ou le spatial au service de la protection des océans? On va avoir des choses qui sont très variées. Alors, on a des entreprises qui se développent pour tout ce qui est observation de l'océan, notamment tout ce qui est observation des courants, des données météorologiques, prévision météo. Et ces données à la fois de météo et de courant, elles vont avoir un impact, par exemple, pour tout ce qui est itinéraire pour les bateaux, pour que les bateaux puissent choisir le meilleur itinéraire qui va être aussi le moins consommateur en énergie. Donc là, il y a un enjeu à la fois économique et puis de pollution qui est important. On a une entreprise qui s'intéresse à tout ce qui est la cartographie côtière, une meilleure connaissance des petits fonds. On a également une entreprise sur Rennes dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines dans la presse, Ensign Labs, qui s'intéresse, elle, à ces lancements de constellations de satellites pour pouvoir fournir de la donnée. Donc on voit, on a à la fois des entreprises qui développent les infrastructures et puis d'autres qui vont développer des services utilisant les données issues de ces infrastructures. De votre côté, Ronan Fablé, vous... Oh là là, c'est entre Nicolas. On vous découvre avec des masques, ensuite on vous découvre sans les masques, on est perdu. Nicolas Bellec, pardon. Sur ces usages, on parlait ensemble d'usages par exemple pour la chimie, mais tout à l'heure vous réagissiez aussi à la question du routage. Enfin, quel est à votre échelle les usages que vous pouvez voir et percevoir sur la protection de l'environnement? Je voulais juste rebondir, d'ailleurs, c'est un acteur qui représente vraiment le dynamisme de la Bretagne en termes de spatial. Tu as cité tout à l'heure Ensign Labs. Il faut savoir que dans cette dynamique du New Space et du lancement de ces constellations, Ensign Labs, c'est la première entreprise, premier acteur privé français à opérer ce type de constellation. Donc, il se trouve en Bretagne. Donc, ça montre, et c'est un marqueur très fort, ils ont des applications en lien avec le maritime. Donc, c'est vraiment un exemple typique du dynamisme breton en termes de spatial, selon moi.
Et donc, du dynamisme, du coup, pour quoi faire, pour observer quoi en termes de chimie, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir depuis l'espace? Oui, en effet, Ronan parlait tout à l'heure, on a la couleur de l'eau, la température de la surface des océans. Donc, faut savoir que l'océan est aussi ce qui pilote le climat à l'échelle mondiale. Et la majeure partie des indicateurs, des données qui sont acquises sur les océans proviennent du satellite et sont après modélisées avec des applications sur le suivi des courants et le suivi de nombreux indicateurs qui permettent d'avoir de l'information sur, en effet, le changement climatique, l'état des océans, la qualité des eaux, etc. Oui, suivi des courants qui permet aussi de savoir où peuvent s'agglutiner parfois des déchets plastiques. Enfin, ça a des tas d'applications qu'on connaît peu. Et vous voulez intervenir, Sikirbal? Non, je voulais juste citer parmi les différents systèmes effectivement, qui permettent d'observer les océans, pas oublier non plus l'altimétrie, qui est un système qui a été utilisé depuis pas mal d'années pour caractériser l'augmentation du niveau des océans. Et aujourd'hui, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, on voit véritablement cette courbe et cette tendance. Donc c'est effectivement, il y a la grande diversité de capteurs embarqués à travers différents satellites nous permet de voir l'océan à travers divers filtres finalement. Vous parlez de capteurs embarqués, vous nous avez justement apporté une balise. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet objet que vous avez avec vous qui est destiné à la pêche, justement à la pêche artisanale? Oui, alors effectivement, ça c'est une balise qu'on vient tout juste de concevoir et qui va être déployée, alors qui est vraiment dédiée à la pêche artisanale dont je commençais à parler tout à l'heure, parce que d'une part, ça représente un impact important sur la ressource. Donc, il est important pour, je dirais, toute cette pêche artisanale de savoir où est-ce qu'elle se déplace, où est-ce qu'elle pêche, etc. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est un secteur économique qui est souvent très, très important pour les pays et que ces navires de pêche, ils sont très fragiles. On parle de navires, de petits navires, souvent qui ne sont pas pontés, qui, du fait d'une raréfaction de la ressource dans les zones côtières, sont obligés d'aller pêcher de plus en plus loin, etc. etc. Et donc ce système aujourd'hui, voilà, qui est assez simple, avec un socle qu'on vient fixer sur le navire, permet au pêcheur, lorsqu'il va embarquer, de venir fixer sa balise sur le socle. Elle est autonome, notamment grâce à une alimentation en panneaux solaires. Elle est aussi intéressante parce que non seulement elle permet de suivre les pêcheurs dans leurs déplacements, mais elle leur sauve la vie également. Parce qu'un des problèmes qui est rencontré par le fait que cette pêche artisanale est obligée d'aller pêcher de plus en plus loin, c'est qu'elle finit par se retrouver dans des situations où elle n'a plus aucun contact avec la terre, notamment des fois pendant des campagnes de pêche depuis plusieurs jours. Donc lorsque vous avez une tempête qui arrive, ils ne sont pas prévenus. Lorsque vous avez un homme qui tombe à la mer, il y a également, c'est très compliqué de prévenir à terre. Donc vous voyez, ce petit bouton rouge ici permet de lancer immédiatement une alerte. Donc c'est à la fois un système qui, sur le long terme, va permettre de mieux connaître l'impact de cette pêche artisanale et qui permet aussi de résoudre un problème simplement de sécurité des pêcheurs en mer. Et en plus, ils peuvent être équipés de systèmes météo qui les informent depuis l'espace sur comment est l'état de mer et comment ça se passe. Tout à fait. On parlait tout à l'heure, Ronan Fablé, des questions des événements extrêmes aussi qu'on peut observer depuis l'espace et anticiper, mieux anticiper en tout cas. Alors, ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est être capable de mieux les anticiper. Je pense que tout le monde, quand pour un ouragan ou cyclone, il y en a récemment sur la zone océan Indien, Réunion, Madagascar, je pense que c'est évident. Sur l'océan, il y a aussi des événements type bloom planctonique ou marée d'algues vertes qui sont d'autres exemples. On pourrait parler des vagues de chaleur dans l'océan. Donc il y a des outils existants pour essayer de prévoir l'évolution. Pour prévoir, il faut avoir des capacités d'observation, mais ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas encore l'observation du lendemain, évidemment. Et donc là, il faut avoir disposer de modèles. Et alors, même si les modèles ont fait beaucoup de progrès au cours des 10-20 dernières années, on a encore de vraies limites dans la capacité, par exemple, à prévoir l'intensification d'un phénomène de type cyclone ou l'émergence d'une vague de chaleur. Et sans doute que les... Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que les outils actuels de modélisation numérique ne sont pas suffisants pour développer ces capacités de prédiction et que les méthodes d'intelligence artificielle vont là apporter de nouveaux types d'outils. Donc nous, ça fait partie peut-être de l'intérêt scientifique plus spécifique qu'on va chercher à creuser, à expliciter, mais avec l'espoir de pouvoir, par exemple, mieux prédire un phénomène d'intensification de cyclone
et peut simplement prédire le risque en termes d'impact, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Et peut-être aussi mieux comprendre le système global de l'océan, parce que c'est une grande question autour de ce sommet, de toute cette dynamique des océans et aussi de l'interconnexion entre les pôles, le fait que les pôles soient des courroies entre les différents océans et de comprendre la circulation océanique, du coup le réchauffement. Est-ce que grâce aux satellites, grâce à l'intelligence artificielle, on va mieux comprendre le fonctionnement des pôles, déjà mieux les observer parce qu'on n'y est pas forcément en permanence? Alors évidemment, là, il faut à nouveau, il y a deux grands. Il y a les capacités de modélisation qui sont ce dont on entend couramment parler dans le cadre du GIEC, donc pour lequel on fait des projections climatiques qui sont basées sur des modèles. Mais ces modèles seuls, ils ne fonctionnent que si on leur fournit des données sur l'état actuel qui ensuite permettent ensuite faire des projections sur différents types de scénarios. Donc à ce niveau-là, effectivement, l'une des principales sources, c'est pas la seule, mais l'une des principales sources de données, c'est issue des satellites. On a parlé de différents types de satellites. Il y a d'autres types de données qui sont aussi importantes, qui sont plutôt des données in situ, typiquement pour l'intérieur de l'océan, qui est tout un domaine qui ne peut pas être vu des satellites. Mais néanmoins, effectivement, l'observation spatiale, c'est vraiment un des points importants. Et on parle beaucoup actuellement dans ce domaine-là. Alors c'est parti des mots-clés, là, il y a intelligence artificielle, New Space. On parle beaucoup dans ces domaines-là de jumeaux numériques et donc la capacité à construire un jumeau numérique de la planète Terre, justement pour améliorer ses capacités de prédiction et intégrer l'ensemble des capacités d'observation et de modélisation. Et vous parliez d'observation in situ, c'est vrai que c'est indispensable. C'est pour ça que Jean-Louis Etienne lance son PolarPod, qu'il y a aussi le réseau Argo qui se développe, avec maintenant des balises qui peuvent aller jusqu'à moins 6000 mètres et qui vont nous passer les infos de moins 6000 mètres à l'espace, puis de l'espace à Plouzané. Comment est-ce que ça fonctionne, ce réseau Argo? Peut-être vous travaillez avec ce réseau, Vincent Carbaol. Alors, la réception de données plutôt sur la partie transmission, effectivement, parce que comme le disait Ronan, ce sont des systèmes de plus en plus sophistiqués qui permettent d'aller mesurer dans la profondeur toutes les caractéristiques de l'océan. Mais à un moment donné, ces informations, il faut bien les renvoyer à terre. Et c'est là, effectivement, que les systèmes, notamment de transmission, permettent de renvoyer à terre toutes ces informations pour les assimiler dans les modèles numériques. Et est-ce qu'au sein des... Pardon, vous voulez... J'allais compléter. Ce qui est sans doute très nouveau aussi sur ces profileurs Argo, c'est la capacité... Jusque-là, on mesurait principalement des paramètres physiques ou biogéochimiques. Et là, il y a des mesures pour des paramètres qui sont davantage liés à la biologie de l'océan. Donc, on commence à accéder à des mesures sur le vivant de manière beaucoup plus systématique. On peut aussi instrumenter ces profileurs avec, par exemple, de l'acoustique passive, donc qui vont permettre d'avoir d'appréhender beaucoup mieux aussi des aspects liés au vivant. Et donc, ça va fournir à nouveau de nouvelles types d'informations et qui sont très éparses, parce qu'il faut voir qu'un profileur, c'est un point mesuré dans l'océan. Donc, à nouveau, le fait de pouvoir les réassocier à des observations plus globales à la surface, c'est sans doute le moyen qui permettra d'avoir ensuite une cartographie plus globale de l'océan et ensuite développer la capacité d'anticipation de son évolution. Oui, vous parlez d'acoustique, évidemment, c'est essentiel au sein des océans, c'est comme ça que communiquent les animaux, c'est vraiment comme ça que passe l'information sous l'eau, c'est par l'acoustique, et le routage qui passe par le satellite aide aussi à avoir des navires qui vont peut-être être moins rapides, plus silencieux, vont aider aussi à limiter l'impact et la pollution acoustique par différents biais qui passent par le satellite, donc c'est vrai que c'est tout un système lié et qui fonctionne vraiment harmonieusement. Non, j'allais juste ajouter à propos des navires et de leur empreinte carbone, il y a également aussi toute une réglementation qui s'est mise en place sur les émissions des navires. Et là encore, on voit apparaître de nouveaux capteurs technologiques dont on sait aujourd'hui qu'on est en mesure, plutôt depuis des drones par exemple, d'aller mesurer les concentrations en dioxyde de soufre ou ce qu'on appelle les SOx et les NOx dans les émissions de navires. Et on voit poindre aussi dans le domaine du spatial des capteurs qui demain auront vraisemblablement cette capacité d'aller mesurer les concentrations, notamment sur les routes maritimes et dès lors que les navires rentrent dans des zones réglementées. De surveiller aussi les pollutions. Est-ce que Nicolas Bellec et Françoise Duprat, au sein des entreprises que vous pouvez voir au quotidien, vous en voyez qui justement s'intéressent à cette question de pollution ou alors aux balises Argo, de nouvelles innovations qui sont liées à ça, soit aux grandes profondeurs ou alors aux émissions atmosphériques?
Je crois que ce qui est important de bien comprendre sur l'apport du satellite, c'est que le satellite va avoir à la fois une mission d'observation à travers un certain nombre d'engins qui peuvent être embarqués, mais aussi un enjeu de transmission de données. C'est-à-dire qu'on a aussi des capteurs qui vont être in situ et qui vont pouvoir envoyer l'information via le satellite pour avoir un temps de réception qui est beaucoup plus court. Et c'est ça qui permet justement d'avoir beaucoup de données à traiter, à modéliser, mais d'avoir aussi une réactivité dans la prise de connaissance de l'information qui fait qu'on va avoir des services utiles parce qu'on a une information en temps quasi réel. Donc ça permet vraiment sur du transport maritime par exemple de savoir effectivement où sont situés les bateaux, comment ils évoluent, dans quel environnement ils évoluent. On a également le cas d'une entreprise Satas International qui s'intéresse à tout ce qui est transport maritime, le suivi des containers qui sont embarqués. Ça c'est un vrai problème, notamment quand on a des containers qui sont perdus en mer, qui peuvent devenir des objets flottants autant non identifiés, donc qui sont dangereux à la fois pour le transport, mais aussi pour la plaisance et pour les animaux. Donc voilà, c'est aussi ce suivi et cette traçabilité d'objets qui vont être rendus possibles par le satellite. Et par le nanosatellite, du coup, parce qu'on va avoir une quantité de données, il y a beaucoup de containers. Plus sur de les données, mers, un temps de rafraîchissement de la donnée plus important aussi, donc une meilleure couverture. Donc après, avec un peu d'intelligence artificielle et une bonne modélisation, on peut avoir une couverture beaucoup plus importante. Ouais. Et de votre côté, Nicolas Bellec, je vous voyais réagir à cette question de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces nouvelles données et toutes ces nouvelles technologies. Non, je pense que Françoise a bien décrit l'écosystème avec qui on peut travailler tous les deux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur toute la chaîne de valeur du spatial, on a vraiment des acteurs, que ce soit pour la fabrication de capteurs ou de composants qui vont aller dans l'espace, mais aussi des équipements utilisateurs comme cette balise qui vont apporter de l'information, peut-être parfois même capter de l'information et qui vont la transmettre depuis l'espace à Terre. Et aussi tout cet écosystème qui va traiter ces données pour en faire quelque chose, pour analyser et pour en ressortir une information pertinente. Et donc ça, c'est très intéressant, je trouve, en Bretagne et en particulier dans le domaine maritime. On voit que sur toute cette chaîne de valeur, on a des acteurs qui sont présents. Donc, du début jusqu'à la fin. Ouais, tout un écosystème. Ouais. Et est-ce que on touche à la fin de cette émission, on peut revenir avec vous justement sur comment est-ce que tout cet écosystème, tout cet environnement d'entreprise va pouvoir aider à protéger la planète contre les pollutions et à mieux comprendre les dynamiques des océans. Je pense que c'est... On a un écosystème qui est déjà très, très en avance sur la notion d'innovation, qui est en lien fort aussi avec la partie... je dirais industriel et en lien très fort avec la partie de la recherche ou la partie académique. Donc ça, c'est le cas à peu près partout, mais je trouve que c'est en particulier vrai en Bretagne et à la pointe bretonne sur différents aspects. D'ailleurs, on arrive à discuter de différents aspects technologiques qui vont au final retomber dans le domaine du spatial. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a aussi un écosystème, je pense, de soutien, les dispositifs qui existent, qui permettent de soutenir un peu cette dynamique. Alors, il y a les ABIC, il y aura Irispace, il y a aussi le Polmer qui porte un dispositif qui s'appelle le Booster. Donc tout ça, et on a aussi le conseil régional qui a identifié le spatial et le maritime, bien sûr, aussi, mais le spatial parmi ces 11 leviers stratégiques de sa recherche et de l'innovation. Braise Métropole a aussi identifié le spatial dans sa stratégie métropolitaine de développement économique. Donc, on voit qu'on a un soutien aussi de financeurs au potentiel qui permettent de soutenir toute cette dynamique. Le CNES, l'Agence spatiale française, regarde de près aussi tout ce qui se passe en Bretagne. Il y a une convention cadre qui a été signée avec la région en 2019 et qui devrait être renouvelée. Et ça permet aussi de booster un peu tout ça et d'avoir une meilleure visibilité sur tout ce qui se passe. Et en deux mots, du coup, avec tout cet environnement que vous venez de nous décrire,
Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les entreprises sont assez dynamiques et prêtes à se lancer dans ce secteur? Oui, alors on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de créativité en la matière. Et 8 entreprises en un peu moins de 3 ans, sur ce domaine-là, c'est quand même assez atypique. Je pense qu'on a une grande chance en Bretagne pour le développement du spatial appliqué au secteur maritime. C'est le croisement des expertises et des compétences. C'est qu'on a la chance d'avoir à la fois des gens qui sont formés à un très haut niveau et des laboratoires de recherche sur le volet des technologies de l'information, de la communication, sur le traitement des données. Et on a également de très gros experts sur la connaissance des océans. Et c'est le croisement de ces deux expertises qui font qu'on arrive à avoir des services opérationnels qui sont vraiment porteurs de valeur. Oui, on peut voir qu'à la pointe de la Bretagne, ça réseaute pas mal autour de Plouzanet. En quelques secondes, du coup, pour vous deux, qu'est-ce que vous en pensez sur les attentes qu'on peut avoir de ce One Ocean Summit et qu'est-ce que ça peut apporter le spatial à cette défense de l'océan? Je pense que déjà à un niveau global, c'est important de mettre cet éclairage sur les océans. Il y a des enjeux qui sont extrêmement importants en termes de ressources, de préservation. On en a parlé de climat, donc c'est toujours extrêmement important. Il y a des vrais enjeux autour de la gouvernance. Et le spatial, vont être des données qui vont fournir des outils pour des stratégies de gouvernance ou de prédiction, on en a parlé. Mais au-delà de ça, ce cadre de gouvernance et cet éclairage, le fait d'initier dynamique. Moi, il y a un aspect qui me semble également important, c'est de manifestation, c'est le fait que ça va probablement drainer des envies, des initiatives, notamment des jeunes. Et nous, c'est des éléments qu'on voit dans le cadre des formations. On a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par des domaines, y compris sur des domaines de l'IA, où précédemment, peut-être il y a moins d'intérêt sur l'environnement. Il y a beaucoup plus d'intérêt de personnes sur des profils, disons IA, vers ces domaines liés à l'environnement, au climat. Et donc, ce type d'événement fournit aussi des moyens de communiquer, de développer cette initiative. Ça me semble très intéressant de ce point de vue. De faire connaître et de sensibiliser. Un mot de la fin, Vincent Carbaol. On arrive vraiment à la fin de cette table ronde. Oui, alors très rapidement, moi, ce qu'on en attend, c'est effectivement des avancées sur la gouvernance. Parce que quand on veut parler de choses concrètes, qui dit gouvernance, dit réglementation. Je voudrais juste citer 2 exemples. Ça fait 10 ans qu'il y a de la surveillance des pollutions par imagerie satellite tout autour de l'Europe. Et de fait, on a observé une diminution par 2 de l'occurrence des rejets à la mer. Voilà, ça c'est un exemple. La mise en place du VMS pour la pêche, ça a permis de suivre les navires, ça a permis de constater comment la ressource évoluait et de la protéger et de sauver un certain nombre d'espèces. Donc je crois qu'à partir du moment où on sait qu'il existe encore dans nos océans des zones de non-droit et que c'est là qu'il faut travailler, dès lors qu'on aura une gouvernance qui sera mise en place avec un certain nombre de règles et de bonnes pratiques, à partir de là, on pourra mettre en place des dispositifs qui permettront de contrôler. Je voudrais juste ajouter une chose, parce que tout à l'heure, j'ai montré la valise, je crois que j'ai oublié de citer son nom, c'est la Nemo, voilà. Et donc, elle sera évidemment compatible avec la future constellation Kineis. Bah merci beaucoup et puis merci d'avoir rappelé surtout les effets concrets que ça peut avoir, parce que ça peut paraître assez abstrait cette histoire d'information depuis l'espace, mais oui, ça peut directement faire la limitation des pollutions, directement protéger des espèces, donc c'est important de se dire que ça a des effets concrets. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous pour cette table ronde sur l'observation de l'océan depuis l'espace, et on retrouvera dans 1 heure l'innovation au service de la défense, cette fois avec mon collègue Jean-Louis Le Corvoisier. Merci beaucoup à tous les 4. Merci.